Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo comme d'habitude et bien sûr de très belles lectures. Ces derniers temps, il a fait chaud, il a fait beau, on a pu profiter du soleil, faire le plein de vitamine D, ça faisait du bien, mais maintenant il est parti et si le soleil vous manque déjà, je vous invite avec la revue d'aujourd'hui à partir pour Haïti en plein cœur de l'été avec l'auteur qui est aussi le narrateur du livre à Petit Goave, un village qui se situe à côté de Port-au-Prince pour refaire le plein de soleil puisque le livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il s'agit de L'odeur du café de Dany Laferrière, paru ici aux éditions Serpent à plumes dans leur collection Motif. Dany Laferrière, c'est un auteur que je ne connaissais absolument pas. C'est d'ailleurs un membre de l'Académie française et je l'avais vu à la Grande Librairie il y a quelques semaines maintenant. Et j'avais tout de suite été charmée par sa personne, par ce qu'il disait, par sa manière de dire les choses aussi. Donc bien sûr, ma curiosité a été un petit peu titillée, j'ai eu envie de découvrir son œuvre. Donc à la médiathèque, il y avait pas mal de livres de Dany Laferrière. La question s'est ensuite posée de savoir par lequel j'allais commencer. Et comme celui-ci parle de son enfance pendant un été à Petit Goave, le village dans lequel il a grandi en Haïti, je me suis dit que commencer par son enfance, ça a amené une sorte un petit peu de logique dans ma découverte de cet auteur. J'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce livre-là. Mais avant de vous en parler un petit peu plus, comme d'habitude, je vais tout de suite vous lire la quatrième de couverture. Au cœur de ce récit, il y a l'enfance. Celle d'un petit garçon passant ses vacances chez Da, sa grand-mère, et accompagné de la chaleureuse vigilance de ses tantes. Un peu de fièvre et le voici privé de jeu avec ses camarades. Alors il reste sur la terrasse de bois, à côté de Da qui se balance dans le rocking chair, avec toujours une tasse de café à portée de la main pour les passants et les voisins. Le long des lattes de bois, l'enfant regarde les fourmis, les gouttes de pluie marquant le sol, regarde et écoute les adultes s'occuper et parler, respire les odeurs de la vie. Chronique des sensations enfantines, L'odeur du café est un livre envoûtant, le récit d'un voyage autant si fragile et si merveilleux de l'enfance. Avant toute chose, je voudrais parler du format de ce livre, qui peut peut-être interloquer au début puisque c'est assez particulier. On a de très très courts chapitres, en fait le livre est divisé en plusieurs parties, c'est pas vraiment des chapitres, mais ça se présente comme ceci. Donc comme vous voyez, c'est quand même assez aéré, c'est très fluide, ça se lit très bien, et chaque chapitre est en fait une petite histoire. Et ce format particulier m'a vraiment donné l'impression de flash de souvenirs, de flash de mémoire un petit peu de l'auteur, mais c'est pas brouillon pour autant, ces flashs sont vraiment organisés de manière chronologique. J'ai vraiment eu l'impression de vivre cet été-là avec l'auteur à Petit Goave, j'ai eu l'impression de moi aussi me retrouver en Haïti, de sentir le soleil, de sentir la chaleur, ça faisait du bien aussi de découvrir petit à petit tous les habitants de ce petit village, de découvrir aussi la famille de l'auteur. En bref, j'ai eu l'impression de voyager avec ce livre et ça, c'est vraiment top. Ce que j'ai le plus aimé dans L'odeur du café, je pense que c'est surtout la relation qu'il entretient avec sa grand-mère. C'est une relation qui est vraiment très très touchante et sa grand-mère est une femme vraiment admirable, est une femme pleine de sagesse, une sagesse pleine de simplicité. Il y a d'ailleurs un passage de ce livre que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai mis un petit post-it et j'aimerais tout de suite vous lire un tout petit bout, une toute petite citation que je trouve vraiment très très belle. Et comme je le disais, pleine, je trouve, de la fameuse sagesse, pleine de simplicité de cette grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a après la mort d'A? Il y a que les fourmis qui en sachent quelque chose. Pourquoi ils ne nous disent rien? Parce que la mort ne les intéresse pas, vieux os. Et pourquoi la mort nous intéresse? C'est le secret de la vie. Rien que ça, je trouve que c'est simple, mais qu'en même temps, c'est profond, en même temps, c'est beau. J'adore. Ce livre, c'est aussi un livre qui va nous plonger dans l'enfance et qui va nous rappeler de profiter à fond de l'instant T, de profiter à fond de chaque instant et de tous les petits bonheurs de la vie. C'est un livre dont la fin m'a touchée, c'est un très bel hommage que rend ici Dany Laferrière, non seulement à sa grand-mère, à sa famille, mais aussi au petit village dans lequel il a grandi. C'est vraiment un très très beau livre, une plume qui est belle tout en étant simple, très fluide comme je vous l'ai montré, déjà c'est espacé, c'est des chapitres assez courts, mais ça se lit tout seul, une fois qu'on a commencé, on a envie de retourner dans le livre, on a envie de retourner en Haïti, on a envie de retourner à Petit Goave. Ça a vraiment très très bien fonctionné avec moi, en plus de ça il est pas très épais, je l'ai vraiment dévoré, j'ai passé un super moment de lecture, donc bien évidemment maintenant j'ai envie de découvrir d'autres livres de Dany Laferrière et j'ai hâte d'en découvrir d'autres. Je pense d'ailleurs que le prochain livre que je vais lire de cet auteur sera Le Charme des après-midi sans fin, qui est un petit peu la suite, puisque c'est pas vraiment une suite, mais on va se retrouver encore une fois avec Da, sa grand-mère, il me semble, en Haïti à Petit Goave, mais je crois qu'il est un petit peu plus âgé, il est peut-être adolescent dans Le Charme des après-midi sans fin, mais je suis quasi sûre que le prochain livre que je lirai de Dany Laferrière, ce sera celui-là. Je ne peux que vous recommander L'odeur du café, j'ai vraiment passé encore une fois un très très bon moment,
Et ne vous arrêtez pas au fait que ces chapitres vraiment très courts au début peuvent être un petit peu perturbants, un petit peu déroutants. On se dit mais ça va juste être des petites histoires. Finalement, ça suit une certaine chronologie. On va passer tout un été à travers ces petits flashs de mémoire, à travers toutes ces petites histoires. On va aborder beaucoup de sujets, on va aborder beaucoup de choses et c'était génial tout simplement. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce livre que je vous recommande encore une fois pour terminer cette vidéo. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien sûr une très belle journée, nuit, soirée, encore une fois, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien évidemment, de très belles lectures pour ma part. Et bien, je vous dis à très bientôt sur la chaîne BookTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye!